Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une trousse pour ado. Pour faire cette trousse, nous avons besoin de 4 coupons de tissu de 30 cm par 22 cm, d'un coupon de 22 cm par 20 cm pour la poche, du thermocollant pour le tissu principal, une fermeture éclair de 30 cm et du ruban pour les anses. On plie les deux tissus ensemble. On fait un petit repère à 3 cm à partir du haut. Et on va faire un léger arrondi. On va tracer les angles à 3 cm. Et on découpe. Et on fait la même chose pour la doublure. On fixe le thermocollant. On va faire une couture et on laisse une petite ouverture pour pouvoir tourner la poche. On plie un des tissus de la doublure et on fait un petit repère à 5 cm de haut. E on va épingler notre poche. On fait une couture sur les trois côtés. Pour une double poche, on fait une couture au milieu. On met les deux tissus envers contre envers. Et on fait une couture au point zigzag. On va épingler la fermeture éclair.
Et on va faire une couture de chaque côté. On épingle les anses à 2 cm de la fermeture éclair. On met les tissus endroit contre endroit et on met quelques épingles. Et on fait une couture sur les trois côtés. On découpe l'excès de tissu de couture. Pour la finition, on fait une couture au point zigzag. On aplatit les angles et on fait une couture. Voilà, notre trousse est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt.